Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Payday 2, un épisode consacré à visite officieuse en mort subite, en trio, accompagné de Bidou et Alfonso, tous les deux des Twitchers, hein. Je mettrai leur lien en description, n'hésitez pas à checker leur chaîne, les suivre, tout ça, donnez-leur du pognon, c'est des clodos. Et go, c'est parti, on est en furtif, hein, bien sûr, hein. Évidemment. Shit! Don't forget, cameras! Keep in mind that there might be cleaning personnel and other non-carrots. C'est bon, t'as fini, Knarfang? Bien sûr. Ah. Il y a très longtemps. Je crois que c'est training room, hein, les gars. Quoi, training room? Mais il y a des gens en training room. Non, c'est storage. Merci. Storage, c'est le plus facile, hein. Elle est vraiment juste à côté du portique, c'est le feu. Ça, c'est un garde. Have you located the security gate yet? Look out, guard. What? Okay, looks like they've upgraded not too long ago. Makes this a little bit harder. Watch out, guard. You tableau TI? My old acquaintance in the FBI, that I owe me a favor, has doctored a laptop for you to use. Ah, bien, she said she would mark which one on a ouais, leur deal dans la storage room, le... Le PC était à côté là où il y a tout le tableau, pardon, était là où il y a tout le PC. Ah, c'est professionnel, okay. Incroyable. Now we have a little job with the commissioner. Go find his office, yeah? Shit! Guard, careful. Sécurité aussi, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Attendez, parce qu'on est propre, tu peux la faire sauter. Hein. Fais-nous sauter les cams, on le vivra mieux. Ouais, beaucoup mieux même. Parce que de ce côté-là, c'est très désagréable. C'est jamais désagréable quand c'est fait pas avec amour. C'est jamais désagréable quand c'est fait avec amour. C'est pas... Une fois, quand j'étais jeune, je me suis fait tabasser par 50 gros types dans la rue. Je pense que c'était fait avec beaucoup de haine, et quand on voit que la haine est une forme d'amour, j'ai pas apprécié pour autant. La haine, une forme d'amour? Oui. J'ai Salmon Garrett. Oui. Ah, tu ne le savais pas? C'est justement ce qui distingue la haine de la colère. Quand on dit tuer par amour, en fait, tu parles de haine. Oui, oui, oui. Là, ah, je suis dégoûté de t'apprendre quelque chose. Non, mais j'ai essayé de t'écouter. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Oui, c'est vrai que t'apprends rien, toi, il faut arrêter ça, le con. Vas-y, continue. Continue à bouffer de la merde embarquée. Bon, on n'en parlera pas ici. Salaud de paysan. Je crois que t'as tout dit, là. Ouais, je crois. Quelqu'un peut attirer Garrett hors de son bureau. Ouais, ouais, ah, tu veux que je tue des gens? Ouais, ça marche, vas-y. Tu veux que j'attire l'attention? Passe pas. Pas à cause d'un problème du style garde. Ouais. Vivant. Ah, putain, ma mine, elle est foirée. C'est la pire mine de ma vie, je crois. À ce moment-là. Ah. Ah, bah là. Non, c'est pas la pire. J'en ai fait une belle sur Marauder Scarface quand même. On avait une bien sympa. Manoir de Scarface, tu l'adores cette mission. Eh, déconne pas parce que maintenant je m'en sors vachement mieux. Bah oui, c'est ça, force de la faire. Ah ouais, non, clairement. Okay. Je sais où sont les trois disjoncteurs, je les ai marqués avec des mines. Madame? Tu sais où sont les trois disjoncteurs? Ils sont marqués avec des mines, normalement. D'accord. Sauf un, mais c'est le vicieux là, celui qui est derrière. Ça y est, ça s'affiche, c'est beau. C'est qui est vers moi? Non. Non. Te déplace pas. Il est. Tu vois là où faut poser la graffeuse? Ça marche. Bonsoir, madame. Tout va très bien, madame et la marquise. Ah, il me faut une carte d'accès obligatoirement pour celle-là. Non, pas obligatoirement. Just one more, yeah. Parce qu'elle est pas. En fait, on va ouvrir un coffre chez Salomon Garrett. Ouais. Mais parfois,
il y a la boîte, enfin il y a le truc qu'on cherche dans le fameux coffre. Ok, des fois, il y a deux trucs dans le fameux coffre, ok, dans le... Il y a une boîte dans le coffre qu'on cherche, okay. Et des fois, il y a juste une carte d'accès. Et en fait, la carte d'accès, elle te permet d'aller ouvrir celle-ci, celle que tu vois devant. D'accord, donc et il y a la fameuse boîte dedans. Elle sert dans un scénario alternatif, en fait. D'accord, donc j'en ai effectivement obligatoirement besoin, là, dans le cadre actuel, puisque je ne peux l'ouvrir que comme ça, du coup. Non. Sauf si on trouve la boîte dans le bureau de Salomon. Ouais, mais dans cette boîte, t'auras une clé. Non, dans cette boîte, c'est la boîte qu'il faut ramener. C'est la boîte quoi? C'est la boîte qu'il faut ramener. C'est la boîte l'objectif. C'est ce qui est à l'intérieur du. Donc tu veux dire d'accord, ok. Donc en fait, là, en fait, derrière cette porte-là, je pourrais avoir la boîte éventuellement, sauf si on trouve une carte d'accès. Dans ce cas-là, on ouvre ce truc et la carte, la boîte sera ici. Ok, je pensais que tu ouvrais une boîte pour avoir la clé. Dans tous les cas, pour ouvrir ça. Sors, Fonfon, sors. Merde, t'es dans le. Sors, t'as la clé. Sors. Non, c'est pas ça. Il te repère instant, hein. Dès qu'il rentre, il te repère instant. Si t'es encore dans son bureau, il te repère instant. Donc du coup, c'est ça. Donc en fait, il y a la boîte qu'on cherche, elle est soit dans le coffre de Salomon, soit dans le fameux coffre qui est dans l'épreuve. Et pour l'ouvrir, il faut la carte d'accès qui se trouve dans le coffre de Salomon. D'accord. J'ai réuni les 3 sacs de mauvais shit et les 3 sacs de pognon. Les codes à 4 chiffres que j'inscris, c'est ceux que j'ai essayé. Pour trouver le bon code, il faut que tu écoutes ce que te dit Locke. Ouais, il y a un rapport avec la femme. Ah, un rapport avec la femme. Le coup que t'étais en stream, t'avais eu la même chose. Et on avait essayé 1703 et c'était ça. Ouais. 1703, alors tu sais. Tu as des trucs à la con, faut pas les tenter. Genre 9001, tu le tentes pas celui-là, alors c'est clairement pas ça. Tu vas commencer par un 1, donc essaye. Bon bah j'ai 1-2-1-2. 1-2-1-2, mais non mais c'est toujours les mêmes codes, hein. Tu peux réessayer 10-0-3. Tu l'as essayé ou pas 10-0-3? Ah non pardon, tu viens de le faire. Ouais, essaye 1-2-1-2 alors. C'est bon, c'est bon, t'as la boîte? J'ai la boîte. Ok. Ah, c'est l'ascenseur, attends. Parce que là il y a une petite, un petit trick. Comment ça, il y a un petit trick? En fait, l'ascenseur on pourra pas revenir. Donc en fait tous tes sacs, Knarfank, tu les mets dans l'ascenseur. Oh t'es pas sérieux là. Si, sinon on peut pas les prendre. Il va falloir venir me filer un coup de main. Là, en fait, on va voir. Oui, je vais venir t'aider. C'est pas moi qui mets deux FPS que je vais faire tout le taf. Hein. On est sur la sortie style bourrine. Fais gaffe, t'as un mec là. Time to go home, friends. Ouais, putain, je suis derrière un garde, quoi. Tu peux aller dans l'ascenseur. Tu rentres pas dans l'ascenseur, par contre. Enfin, tu peux rentrer parce qu'on est trois, donc ça change rien. Après, on peut déjà ramener tous les sacs. Non, justement, peut-être ramener tous les sacs jusqu'ici déjà. Tu les ramènes où tu veux après les sacs. Je pensais faire une étape au niveau des escaliers pour qu'on puisse extraire tous les sacs. Tranquillement. Il y a besoin. Non, c'est toi qui vois. Sinon, je l'amène tranquillement. Et sûrement à l'ascenseur. Quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est juste là. Fonfon, tu fais quoi? Ah oui, ok. Bah, j'arrive à l'ascenseur. Non, mais t'as encore la boîte sur toi. Enfin, le sol est là. Hop, on met tout dans l'ascenseur. Je rentre pas dans l'ascenseur. Si tu peux rentrer, ça change rien, de toute façon faut qu'on soit trois. Tu peux rentrer à l'ascenseur, mais le mieux c'est de dropper tous tes sacs, quoi, tu t'en fous. Bah j'attends que vous ramener tous les sacs. Bah tu peux venir poser nos sacs. Tu déposes ta boîte et tu nous aides avec les sacs. Yes. Ah c'est une affront qui ne bouge pas. Tu vas aider des binous plutôt, hein. Fais gaffe parce que moi, gros, je vais pas trop faire le malin. On est sur la fin de la vidéo, quelque part. Donc ça sera un peu dommage de la faire merder. Vas-y, jette-moi ta boîte, je la récupère. Ouais, tu peux jeter ta boîte, ouais. Attends, je la mets là, comme ça. Amène-la en personne. Tu peux la mettre dans l'ascenseur. En fait, c'est juste qu'une fois qu'on a pris l'ascenseur, on peut plus remonter. Donc c'est pour ça qu'on met tout dans l'ascenseur. Ouais, mais une fois qu'on a mis dans l'ascenseur, c'est pas fini. Il y a juste à mettre dans le van. Ok, en plus les derniers sacs c'est des légers, hein, donc c'est les coques, les derniers sacs. Mais combien, 3 tu m'as dit en coke? Ouais, il y a 3 sacs de coke, donc là un chacun en gros. Chacun et ça roule. C'est quoi? Frank, derrière toi. J'étais grillé. Mais vas-y, pose un ECM. Oh putain. On avait plus de beeper? Si, moi j'en avais. Mais je pensais que vous en aviez aussi. Non mais des beepers, pas des CM, bah oui, on pouvait les niquer les gars, pourquoi vous les avez pas tués?
J'ai essayé, j'ai tout mis à côté. Ah, les beepers. Ouais, bah je. Bon, non, j'ai tracé. J'ai pas réfléchi. Je pensais à Escape. Je me suis dit, l'un d'entre vous allait poser un 2CM ou tracé ou peu importe. Moi, j'en ai pas un 2CM. Ah, ouais, c'est pas faux.